Bonjour tout le monde. Au nom de la bibliothèque, il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour entendre l'exposé de MediWeb Tani, qui est le lauréat de la troisième édition de notre concours, ma première conférence, que nous avons organisé à l'automne. Donc, dans le cadre de celui-ci, nous avons reçu plusieurs thématiques différentes, dont par exemple, une portant sur le rugby, une autre sur la pertinence de la course automobile et ses retombées positives sur la société, ou encore les inégalités dans le monde. Mais pour ce qui est de notre gagnant, il a proposé une conférence d'un important titre, le dialogue interculturel, les dynamiques proéminentes d'une entente collective par la conceptualisation d'une laïcité québécoise. Juste pour terminer quelques mots sur notre conférencier, il est originaire de Jonathan Fermeint et étudie en sciences humaines, profil monde et politique au Cégep. Mehdi Ouattani. Donc, bonjour à tous. Ça fait un grand plaisir que vous soyez là et que vous pourriez me montrer cet intérêt-là en venant à cette première conférence, qui est un sujet vraiment qui me passionne depuis longtemps, mais que j'ai commencé à étudier dans les derniers mois, notamment grâce à mes cours de sciences humaines. Donc, ce grand titre-là, un peu essoufflant à prononcer, eh bien, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que c'est une étude, en quelque sorte, des dynamiques, c'est-à-dire, bon, les tendances principales qui s'articulent autour du sujet. Mais bien sûr, je n'irai pas voir chacune de ces tendances-là, mais j'ai sélectionné quelques faits forts, les faits les plus importants, selon moi, à mon avis, concernant le dialogue interculturel et ainsi que la laïcité québécoise. Donc, sans plus tarder, je vais présenter un certain bref historique du concept de laïcité au Canada. Donc, bien que les débats publics, ça fait longtemps que... ça fait pas si longtemps qu'on en parle. Donc, durant les dernières décennies, on a davantage marqué le pas au sein de la société. Eh bien, il s'agit d'un concept qui ne date pas d'hier. Donc, son évolution, l'évolution de la laïcité au sens canadien, il s'est procédé durant les même 200 ans passés. Donc, tout d'abord, deux événements importants de l'ère coloniale, 1763 et 1764, qui marquent deux documents très importants quant à la conceptualisation de la laïcité, qui sont la Proclamation royale ainsi que l'Acte de Québec. Donc, les deux documents, conjointement, ont permis à ce qu'il y ait une certaine liberté religieuse pour la majorité catholique française, qui était alors établie en Province of Québec, anciennement Nouvelle-France, lors de la colonisation britannique. Et en fait, c'est les premières ébauches de la cohabitation interreligieuse, puisqu'on a eu des protestants, des anglicans en provenance du Royaume-Uni qui sont venus coloniser en quelque sorte la Nouvelle-France déjà catholique et française. Donc cette cohabitation-là s'est articulée. Bon, bien sûr, elle n'était pas parfaite, mais on a eu vraiment ces premiers contacts-là et c'est un peu le point fort de la tradition de liberté religieuse au Canada qui perdure encore dans les années récentes. Maintenant, près de 100 ans plus tard, en 1867, l'Acte d'Amérique du Nord britannique, aussi connu sous le nom de Loi constitutionnelle de 1867, c'est un document qui va vraiment fonder les principes autant juridiques, donc du bijuridisme, c'est-à-dire autant le Code civil français et le Code criminel anglais. C'est un aspect important, ainsi que d'autres aspects qui concernent vraiment la manière dont on a construit le Canada et ce Canada-là qui était constitué alors du Bas-Canada, du Haut-Canada, de la Nouvelle-Écosse, ainsi que du Nouveau-Brunswick. Donc, le Dominion du Canada qui était encore sous tutelle britannique, mais qui était alors reconnu comme étant autonome, a pu continuer un peu cette tradition-là, bien que ce n'était pas direct officiellement de séparation des pouvoirs entre le pouvoir religieux et le pouvoir étatique. Donc, dans ce document-là de loi constitutionnelle, on souligne qu'il n'y a aucune mention du divin au sein de la Constitution. Il n'y a également aucune Église officiellement reconnue, c'est-à-dire que l'Église anglicane ne s'est pas, en quelque sorte, immiscée dans le pouvoir politique. Elle ne s'est pas prise comme étant à charge du Canada, mais comme étant, bien entendu, séparée. C'est sûr que c'était une division qui était de plus en plus marquée, qui était quand même présente, mais qui n'était pas parfaite à l'époque. Durant les années 1900, c'est sûr qu'on a eu des vagues de migration, entre autres juives, entre autres chinoises, de différentes origines, de différentes cultures. Et ça a amené en quelque sorte à ce qu'il y ait des rapprochements au sein de la société, à ce qu'il y ait une mixité au niveau culturel. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas affirmer que le processus de laïcisation s'est amorcé uniquement lors de la Révolution tranquille. Il s'agit d'une époque vraiment très importante pour cette évolution-là du processus. Mais il s'est seulement accentué et concrétisé vers la fin du 20e siècle, c'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'il y a une évolution, qu'il y a quelque chose qui se parachève d'année en année, depuis l'époque coloniale,
jusqu'à de nos jours, comme on peut le voir dans les dernières années. Donc, la forte influence de l'Église, j'ai noté qu'elle s'exprime essentiellement sur la conduite morale des habitants. C'est sûr qu'on voit l'Église comme étant vraiment puissante et comme étant un organisme qui va vraiment avoir de l'influence sur chacune des décisions, mais il y a plusieurs décisions qui ont été en contradiction avec les avantages cléricaux qui ont été prises également. Et il faut comprendre que l'influence est beaucoup plus morale que politique ou juridique à l'époque. C'est sûr que ce n'était pas parfait, encore une fois, et je pèse mes mots lorsque je l'ai dit, mais il s'agit, bien entendu, d'une séparation qu'on doit distinguer lorsqu'on parle de ce sujet-là, au niveau historique. Et maintenant, si on va un peu plus directement, lors de la Révolution tranquille, donc j'ai marqué également que c'est une laïcisation des institutions et sécularisation des mœurs. Donc, sécularisation, c'est un mot un peu plus complexe, mais qui veut tout simplement dire qu'il y a une certaine libéralisation des mœurs, donc des valeurs, des codes moraux, qui s'est vraiment impliqué de plus en plus, qui s'est vraiment accentué lors de la Révolution tranquille et qui a permis à ce que des mouvements sociaux tels que le féminisme ou encore des mouvements pacifistes, on peut nommer hippie ou d'autres mouvements qui ont émergé, ont permis à ce que les nouvelles générations, qu'on appelle parfois les baby boomers ou qu'ils ont d'autres appellations, donc c'est la nouvelle génération qui a voulu en quelque sorte s'émanciper de ce contrôle-là moral qui jugeait peut-être comme étant trop influent ou comme étant trop étouffant. Donc, on a vraiment des combats sociétaux vers de nouveaux horizons. On a une ouverture au niveau de la société québécoise qui s'organise sur beaucoup plus que le cadre religieux, mais qui concerne, qui a une ouverture sur le monde, entre autres. Il y a eu beaucoup d'immigration qui s'est faite au sein du Québec. Donc, on a vraiment une libéralisation. On a un renouveau à ce niveau, cette situation-là. Maintenant, le processus de déconfessionnalisation des institutions publiques, donc j'ai marqué éducation, santé, services sociaux, bien entendu, ce sont des domaines, l'éducation et la santé sont des domaines qui étaient de compétences cléricales, donc c'était le clergé qui avait une forte mainmise sur ces domaines-là, et en quelque sorte, ce processus de déconfessionnalisation, ce qu'il veut dire, c'est que l'Église n'était plus à la charge, donc la charge, c'est transmise aux employés de l'État, c'est-à-dire la fonction publique, donc les fonctionnaires qui sont maintenant à la charge de l'éducation et de la santé. Et ce processus-là de déconfessionnalisation, si on prend seulement l'exemple du domaine de l'enseignement, de l'éducation, eh bien, il s'est fini en 1998. Et au domaine de la santé, je ne l'ai pas marqué, je me suis concentré par souci de temps seulement sur l'enseignement. Et donc, ce qui veut dire qu'au niveau de l'enseignement public, des écoles publiques, l'Église n'est plus à charge de cet enseignement-là. Ce sont des fonctionnaires qui sont tenus d'être neutres, autant au niveau de leurs propos, que ce soit religieux ou de d'autres aspects. Ainsi qu'en 2008, un point assez fort, cela marque l'instauration du programme d'éthique et culture religieuse, un programme qui va remplacer les cours de morale, ainsi que les cours d'enseignement religieux qui étaient encore présents dans le système public. Donc, maintenant, la définition, si on tombe vraiment dans le vif du sujet, si on va vraiment regarder qu'est-ce que la laïcité, c'est quoi la laïcité en quelque sorte, eh bien, on peut la généraliser, c'est ce qu'on doit faire, autrement dit, pour comprendre un peu ce concept-là au niveau commun, mais il est à noter que plusieurs définitions existent et cela est dû justement aux interprétations qui peuvent en être tirées et à chacune des écoles de pensée, autrement dit, comme dans chacune des sciences, on peut retrouver des interprétations différentes. Donc, toutefois, celles-ci vont converger vers un sens commun. Donc, on peut comprendre quand même que la laïcité, eh bien, elle est commune. Et comment elle est commune? Elle se rassemble sous deux principes fondateurs qui sont énoncés, entre autres, dans le rapport Bouchard-Taylor qui a été publié en 2008. Donc, je vais présenter en quelque sorte les principes qui ont été énoncés. Donc, le premier principe qui est un principe fondateur, celui de la séparation entre l'État et les diverses églises. Donc, ce principe-là, en quelque sorte, il véhicule le fait que l'État se doit d'être indépendant dans ses décisions politiques, juridiques de l'Église. Donc, l'Église ne peut pas influencer, elle ne peut pas prendre de décision et son avis doit être simplement un avis comme celui des citoyens égal. C'est-à-dire aussi, j'ai marqué les diverses églises, puisque à l'époque, on parlait vraiment de l'Église catholique, mais avec les nouvelles religions qui font partie du cadre social actuel. On peut parler de diverses églises qui, notamment, sont des communautés religieuses tout à fait diverses maintenant et de religions qu'on disait à l'époque étrangères. Le deuxième principe qui vraiment fait partie du fondement du principe de laïcité, qui est à son sens commun,
Donc, on a besoin de ce principe-là pour parler d'une laïcité, en quelque sorte. Eh bien, c'est la neutralité religieuse de l'État. Donc, celle-ci se définit principalement par l'impartialité d'un État. Donc, l'État ne va pas prendre le jugement d'une conception, une doctrine religieuse par rapport à une autre. C'est-à-dire que l'État n'a pas de religion, n'a pas de doctrine. Et c'est ainsi qu'il y a une certaine parité, une certaine égalité qui peut être visible. Donc, il n'y a pas de religion qui devrait être favorisée plus qu'une autre, ni même de non-croyance. Donc, la non-croyance ne devrait pas être favorisée, tout comme la croyance ne devrait pas l'être. C'est un principe qui permet à ce que la société soit beaucoup plus inclusive. Troisième principe, ça nous amène un peu avec le lien du troisième principe, l'égalité morale des personnes. L'égalité morale, c'est un principe selon lequel l'État se doit de juger équitablement les individus. Donc, un individu qui serait bouddhiste ou hindouiste n'aurait pas de privilège face à un individu qui n'a pas de croyance, et vice-versa. Donc, c'est vraiment au niveau du rapport avec les individus et de l'aspect social qui va être traité dans ce principe-là, autrement dit. Et donc, toute appartenance religieuse se doit d'être traitée sur un pied d'égalité. Ainsi que le quatrième principe, donc la protection de la liberté de conscience et de religion. Donc, c'est la protection du droit d'adhérer à un système de croyance ou de ne pas y adhérer. J'ai marqué de ne pas y adhérer puisque cette liberté-là doit être le consentement. Donc, le consentement d'un individu à choisir sous quel système de croyance il veut évoluer, sous quel angle il veut choisir de bâtir sa vie. Et ce droit-là, il se doit d'être, bien entendu, encadré. Lorsqu'on parle d'accommodement raisonnable, il s'agit d'une mesure canadienne, proprement canadienne, qui permet d'encadrer ce droit-là et qui permet également d'éviter certaines discriminations autant négatives qu'il peut y avoir, qui peuvent être non intentionnelles. Donc, bien entendu, ça ne doit pas aller vers des actes de prosélytisme ou des contraintes fondées qui pourraient être visibles aux autres individus. Donc, il ne faut pas que ça brime le droit d'autrui. Maintenant, si on va un peu plus vers la mosaïque de la conceptualisation, donc l'étendue de toutes les conceptualisations qu'on peut retrouver au sein des interprétations de la laïcité, eh bien, se trouve bien diversifiée. Donc, c'est pour ça que je parle de mosaïque, puisque, bien que présentant des différences, tout modèle est unique. Donc, le modèle, il est unique, il est forgé, entre autres, de l'histoire de la province ou de l'État, du territoire donné. Donc, ils ont chacun un rapport. On ne peut pas dire qu'un modèle est pareil à un autre, bien qu'il y ait des ressemblances visibles. Donc, si on fait une certaine polarisation des représentations conceptuelles, on pourrait avoir d'un côté une laïcité plus ouverte et de même qu'une laïcité plus rigide ou de type républicaine. Et là, quand j'utilise ces termes-là, ce n'est pas vraiment à sens péjoratif. Donc, c'est tout simplement pour à cadre théorique pour comprendre les différences entre ces deux courants-là. Donc, la laïcité plus ouverte, j'ai marqué des points, un point fort par concept, mais bien sûr, on pourrait élaborer de plus en profondeur, mais c'est tout simplement par souci de temps, entre autres. Donc, la laïcité ouverte, donc, j'ai inscrit qu'il s'agit d'une conception orientée vers la permissivité plus grande à l'égard des citoyens, dans un sens où l'expression religieuse, elle est quand même encadrée, mais ce sont davantage des institutions qui se doivent d'être laïques. Donc, c'est l'État qui est laïque, mais les individus n'ont pas l'obligation d'être laïques. Bien entendu, ils ne doivent pas faire promotion de leurs croyances, ils ne doivent pas faire diffamation ou dire que d'autres croyances ne sont pas valables. Donc, ça, c'est sûr que c'est un contexte de neutralité nécessaire, mais au-delà de ça, l'expression religieuse vestimentaire, ce n'est pas obligé à ce qu'on a comme une plus grande ouverture à ce niveau-là où le port de signes religieux n'est pas nécessairement une atteinte à la neutralité religieuse, mais peut-être plus le sens d'une expression religieuse qui peut être encadrée et qui ne peut être que bénéfique pour les citoyens et ne pas présenter d'inconvénients. Ainsi que la laïcité rigide de son côté, donc c'est peut-être plus une incarnation de la laïcité promue par la République. Donc, il y a une plus grande importance peut-être à la laïcité au sens des citoyens aussi. Les individus se doivent de porter cette laïcité-là républicaine afin de protéger, en quelque sorte, le principe fondateur d'une laïcité promue par la République. Donc, au sein de la fonction publique, bien entendu, les individus se doivent de respecter chacun de ces principes-là, que ça peut aller même jusque dans le vestimentaire lorsque les gens veulent porter des signes ostentatoires. Et ça peut être davantage régulé que lorsqu'on a un modèle plus ouvert. Voilà. Également, donc, la crise des accommodements raisonnables, là, je vais passer à quelques points historiques vraiment des dernières années qui puissent
peut-être orienter le débat de manière plus, plus marquée. Donc, la crise des accommodements raisonnables, j'ai choisi deux dates environ qui, c'est sûr que ça pourrait être sujet à interprétation, mais de 2006 à 2008 environ. Donc, c'est sûr que les cas d'accommodement raisonnable qui ont été médiatisés, peut-être à tort, peut-être à raison, ça, il s'agit d'un autre dossier, mais qui, depuis 1990, les années 1990, ont été médiatisés. Donc, il y a eu une espèce de chamboulement dans la société, des tensions sociales à ce niveau-là. On avait une incompréhension de certains concepts juridiques qui s'est fait. Et ça a provoqué, en quelque sorte, une nécessité à ce qu'il y ait des éclaircissements au niveau de la société et qu'on puisse davantage se brancher sur les concepts juridiques véridiques. En fait, la commission Bouchard-Taylor est un exemple clair de cette tentative du gouvernement de répondre à la crise d'accommodement raisonnable. Et elle a formulé, entre autres, 37 recommandations énoncées par les deux experts, donc Bouchard et Taylor, qui sont respectivement un historien ainsi qu'un philosophe. Donc, ce rapport-là, il contient deux recommandations principales que j'ai marquées. Bien entendu, il y en a plein. Les 37 sont tout autant importantes, mais ces deux-ci sont davantage orientées vers les optiques actuelles, selon moi. Donc, la production d'un livre blanc sur la laïcité était énoncée comme étant nécessaire par le gouvernement. Donc, la laïcité au sens québécois, qu'est-ce qu'on entend par la laïcité québécoise? Donc, les deux experts, on a jugé important que le Québec prenne position, qu'il montre à ses citoyens, qu'il montre au monde entier qu'est-ce que la laïcité au sens québécois, afin d'éviter tout embrouillement ou toute situation difficile, et ainsi qu'on revienne à des périodes de crise comme on l'avait vécu au niveau des accommodements raisonnables. Ainsi que la nécessité d'affirmer un modèle d'intégration des nouveaux arrivants, qui est calqué un peu sur le courant de l'interculturalisme. Donc, un peu plus tard, je vais expliquer un peu qu'est-ce que la différence entre le multiculturalisme au sens canadien et l'interculturalisme. Le projet de loi 60 également fait partie des points forts, qu'on appelle également communément la Charte des valeurs québécoises. Donc, projet instauré en 2013 par le gouvernement minoritaire péquiste, dont les cinq orientations ont été découlées de ce projet de loi, dont l'une principale, qui est l'interdiction de signes religieux ostentatoires pour le personnel de l'État dans le cadre de leurs fonctions. Donc, c'est sûr qu'il y avait d'autres orientations, notamment au niveau des accommodements raisonnables, de la parité homme-femme, dans le sens où l'égalité homme-femme devait être inscrite et devait être clairement un principe qui jugerait de la raisonnabilité de l'accommodement. Donc, ce projet de loi, bien entendu, il a été fort en réflexion. Il a été également fort en répercussions sociales, donc répercussions sociales autant positives que négatives, selon moi. Donc, de la Charte des valeurs, j'ai dit qu'il y avait un constat irrévocable d'une division sociale quant à la place que peut occuper l'expression religieuse au sein de la société. Donc, quand j'écris des propos ainsi, c'est pour dire qu'il y avait réellement un côté qui était favorable plus à une régulation peut-être de cette expression religieuse et un autre côté peut-être qui était en train de défendre le fait qu'il n'y avait pas de réel problème ou qu'il n'y avait pas de réel enjeu à ce niveau-là. Donc, cette espèce de division-là, de clivage-là qui s'est créé, s'est un peu exacerbé avec ce projet de loi-là, en quelque sorte. Et ça a amené à des réflexions très intéressantes et très pertinentes pour le sens de l'évolution de la laïcité québécoise. Des réflexions qui ont été très fructifiante, ainsi que celui du constat de besoin criant, donc le dialogue interculturel. Donc ça, c'est un peu mon constat que j'en ai fait. Il peut être révoqué également, mais selon moi, le dialogue interculturel est fortement ressortant d'une période comme celle-ci, où est-ce qu'il y a une nécessité de se rapprocher entre cultures et de discuter sur les enjeux sociétaux. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il est nécessaire dans le futur. Donc, j'essaie de souligner le fait qu'il devait être plus présent afin qu'on évite certaines crises. Je pensais que vous disiez qu'il était déjà plus présent. Non, non. Également, le projet de loi 62, la loi sur la neutralité religieuse, donc les articles principaux concernent l'obligation de donner ou de recevoir des services publics à visage découvert. Donc, c'est une loi qui a passé récemment et qui a été présentée en 2015 par la ministre de la Justice du gouvernement libéral. Maintenant, si on va traiter des modèles de gestion de la diversité culturelle, donc sujet également connexe à la laïcité, c'est pas exactement lié à la conceptualisation de la laïcité, mais qui est très important dans la compréhension de l'évolution de ce concept de laïcité.
Donc, d'un côté, on a le multiculturalisme canadien, donc politique canadienne qui a été appliquée notamment par Trudeau. Et donc, dans les années 1970, il y a réellement une loi sur le multiculturalisme qui fait de ce modèle de gestion de diversité comme étant réellement l'enjeu canadien, donc la manière dont le Canada se munit afin de gérer les différences culturelles. Donc, il se réclame à la défense des minorités ethnoculturelles, entre autres. Il va promouvoir une éducation axée sur une meilleure compréhension des dynamiques interculturelles, ainsi qu'une conception de l'identité commune se construisant d'une pluralité de visions culturelles différentes. Donc, cette identité devient parfois plus politique que culturelle. Donc, selon moi, c'est la majeure différence, puisque ces deux, l'interculturalisme et le multiculturalisme se ressemblent quand même. Mais la majeure différence, selon moi, c'est que l'identité peut se reconnaître comme étant plus politique. Donc, on fait partie du Canada, nous sommes des citoyens canadiens, bien plus que nous partageons la même culture où nous avons la même manière de voir les choses, la même conception du monde. Donc, c'est un peu un résumé de ce qu'entend le multiculturalisme canadien. Et de son côté, l'interculturalisme, modèle davantage québécois, donc une adaptation un peu du multiculturalisme, et qui promouvoit une intégration des communautés ethnoculturelles, qui mise davantage sur la construction d'une identité commune qui serait plus culturelle que politique. Donc, il y aurait l'apprentissage notamment de la langue française et des valeurs dites québécoises, donc des valeurs qui nous touchent. Donc, c'est une culture qu'on veut amener à ce que les immigrants, également, par l'intégration, adhèrent un peu plus à une culture plus qu'à un sens seulement politique. Donc, selon moi, c'est la majeure différence entre les deux concepts, mais les deux sont à la défense de la diversité culturelle. Donc, ici, maintenant, j'ai une petite section de réflexion qui sont faites par moi, qui vont peut-être permettre à ce qu'on se questionne un peu plus sur les enjeux. Donc, j'ai marqué ici une petite pensée. Donc, cherchons à comprendre l'autre plutôt que de chercher à avoir raison sur ce dernier. Donc, bien entendu, ça promouvoit un peu le dialogue, l'importance d'écouter l'autre, d'entendre ce qu'il a à dire, bien plus que de juger tout simplement, afin d'avoir raison, afin d'obtenir le dernier mot. Et selon moi, c'est essentiel à ce qu'on ait un futur prometteur au niveau des dynamiques sociales. J'ai marqué également le temps de la division se doit d'être évolué. Donc, selon moi, c'est cette division-là sociale, ce clivage-là qui s'opère, il se doit d'être traité. Il se doit d'être traité par, entre autres, le dialogue interculturel, l'avancement, lorsqu'on a des points en commun, lorsqu'on mise sur nos ressemblances. Eh bien, selon moi, c'est une voie prometteuse afin de remédier à cette division-là, qui n'est pas nécessairement uniquement québécoise, mais qui est mondiale également. Et au-delà des différences, ne pourrions-nous pas miser sur la conscience de nos ressemblances? Donc, un point important, selon moi, c'est sûr qu'on a des différences, on voit les différences peut-être plus rapidement, mais il s'agit de faire une analyse de l'autre et de comprendre qu'on a des ressemblances aussi. Et ces ressemblances-là constituent notre force et les différences la constituent également, cette force-là. Mais pour certaines personnes, c'est encore plus facile d'aller voir sur les ressemblances, miser sur celles-ci. Également, exposer son être à la pluralité des conceptions du monde avec une volonté sincère d'écouter l'autre, de s'intéresser à sa réalité et qui constituerait un premier pas vers l'entente. Donc, l'entente est constituée du fait où est-ce qu'on est capable d'écouter l'autre, on est capable de ressentir un peu, d'avoir l'empathie envers sa réalité. Et selon moi, c'est très prometteur, puisque lorsqu'on est seulement dans ses avantages ou seulement dans sa vision à soi, eh bien, il est facile parfois de juger certaines personnes. C'est facile parfois de dire que c'est que la conception religieuse est absurde ou que peut-être qu'elle devrait être autre. Donc, selon moi, il faut s'intéresser à l'autre davantage afin d'avoir un jugement éclairé et de comprendre vers où on s'aligne et en quoi nos politiques sont très importantes et elles ont un impact clair. Une petite pensée aussi, la lumière voyage, là où l'ouverture permet son passage. Donc, c'est juste afin de réfléchir sur ce sens. Et également, éveiller son être aux questionnements, aux réflexions qui dépassent son entourage, donc sa simple personne, car le monde est constitué d'une diversité qui inspire autant une harmonie qu'une possibilité conflictuelle. Donc, on en fait ce qu'on veut, on forge ce monde-là, on participe à ce monde-là par nos décisions, par nos actions, par nos volontés de réfléchir, et c'est ainsi qu'on a le devoir de s'informer, qu'on a le devoir de prendre position, de réfléchir à ces impacts que nous avons même envers nos proches, puisqu'on peut constituer cet agent d'harmonie ou cet agent de conflit.
Donc, j'en suis maintenant au remerciement. Donc, je vous remercie tout d'abord pour cette belle écoute dont vous m'avez fait part. Je remercie également la bibliothèque pour ce concours-là fantastique, le TVCRA également, et ainsi que mes parents qui m'ont soutenu également beaucoup dans ce projet et dans toutes mes études.